Alice Sanson, mairesse de Villeray-Saint-Michel par extension. Monsieur Fadi Daguerre, assistant directeur du SPVM, donc, qui malheureusement n'est pas parmi nous ce soir. Monsieur Sylvain Champagne, qui est parmi nous ce soir. Madame Hélène Charon. Monsieur Marc Charbonneau, commandant du poste du quartier France à Saint-Michel. Madame Nawal Bekeshi, qui est directrice du cabinet de Madame Alice Sanson. Nous avons Madame Jamida Sela, qui est députée NPD de Saint-Bruno. Monsieur José Luis Melo. Bienvenue. Monsieur Wang Mei, député NPD de Brossard-Latérite. Monsieur Alexandre Boulris, député NPD de Brossard-Latérite. Madame Paulina Ayala. Et enfin, Monsieur Andrés Fantessil, qui est président de porte-parole du Québec solidaire. Donc voilà, alors.
salle, la nuit que vous voyez avec le principal chant de télévision. Il y avait beaucoup de résistance. Il y avait une modèle captive, assez uniforme uniquement, et toutes les chaînes craignaient en diversifiant leur image de présentateurs de nouvelles, les artistes qui finissent dans les séries dramatiques, qui perdent leur clientèle traditionnelle sans gagner de nouvelles clientèles. Après un long travail qui durait pratiquement une année, avec des militants de la diversité, il y a eu quelques petits messages qui sont passés 10 ans plus tard. Quand on regarde les principales chaînes de télévision, on a vu apparaître beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de diversité, à tous les niveaux, y compris derrière les gens. Les gens qui ont fait ce travail, personne ne les connaît. Ce n'est pas eux qu'on voit aujourd'hui à l'écran. Ce sont les vrais militants de la diversité. Et c'est ce type de profil que Place Média recherche. Les gens qui travaillent pour une nouvelle réalité québécoise et canadienne, mais qui n'attendent pas de retour. Et donc, il y en a beaucoup. La diversité, l'inclusion, c'est un travail de tous les jours. Les gens inconnus, les ouvriers de la diversité, auxquels Atlas Media s'efforce de rendre hommage une fois là. Ce n'est donc pas un concours. Nos lauréats ne sont pas forcément connus du grand public. Ils n'ont pas de plaque à leur nom dans la rue, ni sur la façade des monuments. Mais ce sont des gens qui sont en train de construire la société dans laquelle nous allons finir notre vie et dans laquelle nos enfants vont grandir et qui est une société inclusive, harmonieuse et diverse. Et donc, attendez-vous à quelques surprises ou quelques découvertes avec nous simplement de 2014. Je vous demande de commencer par des applaudissements en même temps. Il est bon. Alors, j'ai invité Pierre, et donc je pense que le président va reconnaître ses reconnaissances en guise de témoignage pour tout votre apport, vous encourager à continuer. Notamment Annie Sanson, la vice-présidente du comité exécutif, qui fait un travail remarquable au comité exécutif, et Franz Benjamin, où j'ai eu le bonheur de m'assurer qu'on puisse faire l'histoire, parce qu'il est... Moi, je suis le premier maire d'origine haïtienne de l'histoire de Montréal. Lui, c'est le premier président du conseil municipal. Alors, Franz, merci beaucoup de ta présence. Et évidemment, mes collègues et amis, Monsieur le Dr. Gaétan Barrette et David Hurtel, je veux vous saluer. Je veux vous dire rapidement que le 3 août, c'est une fête importante. Alors, j'ai promis à Mme l'ambassadrice et Mme la consule de lancer le message qu'il faut y aller. C'est une fête, c'est la fête nationale du Maroc, c'est l'Aïd aussi qu'on va fêter. Donc, au Parc Villeray, un autre petit point de Denis Sanson, je vous invite tous et toutes à y aller. Pour moi, aujourd'hui, c'est un moment important parce que c'est vrai que je mange tout le temps, mais au moins, l'iftar, c'est le sens du partage, c'est le sens de se retrouver. Et lorsqu'on est invité à une même table, ça démontre à quel point on fait partie de la famille. Alors, je vais vous dire tout simplement, Ramadan Mubarak Karim, et merci de faire partie de la famille. Madame, c'est un grand plaisir que je vous remercie. Voilà. On l'applaudit là quand même. Qu'est-ce qui se passe? Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'Atlas Média. Merci à Coralie. Merci à toute l'équipe. Je sais qu'il y a des gens qui ont jeûné toute la journée et qui ont hâte de rentrer chez eux, alors je ne serai pas longue. Je voulais juste dire que cette année, ça devait être l'année du débat, mais ça a été l'année de la polémique et de la controverse. Voilà pourquoi le dialogue est plus que jamais nécessaire. Parce que c'est en ne rompant pas le fil du dialogue qu'on peut ne pas diaboliser l'autre quand vient l'heure du débat, la controverse et la polémique. Alors, l'iftar du dialogue, oui, vive le dialogue interculturel. Merci beaucoup.
vraiment ce sous-honneur pour moi, connaître cette reconnaissance. Mais juste avant de parler de vous, je ne sais pas si on m'écoute, juste avant de parler de vous, je veux reconnaître aussi une homme qui travaille fort depuis des années pour qu'on se rende ici ce soir. Donc je voulais juste demander un gros applaudissement à Monsieur Davis. Merci beaucoup pour votre travail. Énormément pour que nous, les immigrants, on soit reconnus comme des citoyens à part entière. Et je vous comprends, messieurs, toute la démarche que vous avez fait, vous, messieurs Belgacem, vous avez travaillé dans le secteur public, vous avez enseigné, vous savez tout le monde que vous avez été un étudiant remarquable à l'école, parce que vous êtes arrivé loin, loin, mais malgré tout le travail dans l'enseignement, à l'université, etc., vous faites aussi des bénévolats. Et vous faites remarquer les noms des Maghrébins ici au Canada. Vous faites remarquer aussi les noms de la communauté algérienne. Vous n'êtes pas juste un citoyen de Maghreb, de l'Algérie. Vous êtes une citoyenne canadienne à part entière. Moi, je vous comprends. Moi aussi, je suis une immigrante. Ce n'est pas facile. Mais vous êtes fait remarquer. Et vous encouragez les gens maghrébins à vous suivre. À vous suivre et à performer dans la vie. Donc, je vous félicite. Vraiment honoré. Ici devant vous. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit. J'ai eu le plaisir de connaître M. Bonfassin, mais je l'ai vu à l'heure, j'ai vu son travail et je ne peux que vous féliciter et pour tout ce que vous faites. Félicitations. Bravo, félicitations.